ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui se battent contre la pauvreté, mais plutôt ceux qui se battent pour la richesse. La différence, elle est là. Si tu te bats contre la pauvreté, tu te battras toujours contre la pauvreté toute ta vie. Parce que la pauvreté, c'est ça ton adversaire. Comme tu as fait de la pauvreté ton adversaire, tu te battras avec elle tous les jours de la vie. Et elle se présentera toujours devant toi, puisque c'est ça l'élément qui motive ton combat. Par contre, si tu te bats pour la richesse, tu n'auras jamais les sentiments de la pauvreté, puisque dans ta sphère de raisonnement, il n'y a pas de pauvreté.